Today, we're going to interview a photographer and he's going to talk to us about his job. Of course, the conversation's in French to work on your listening comprehension skills. Salut, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Beltier Academy, and I have the pleasure today of interviewing Antoine. Bonjour Antoine, merci Bonjour. D'être là avec nous. Alors, quel genre de photos est-ce que tu prends? Alors, je suis principalement un photographe de portrait, mariage et famille, mais toujours en photo plus ou moins documentaire, en photojournalisme. Les photos ne sont pas posées et c'est plus un documentaire d'une journée que des photos posées ou qui sont un peu plus traditionnelles. Super. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la photographie? Alors, je me suis intéressé à la photographie complètement par accident. En 2012, j'ai monté une entreprise de e-commerce et de bijoux. Et je me suis acheté mon premier appareil photo en 2012 parce qu'il fallait que je prenne des photos des produits que je vendais sur en ligne. Et au fil des 4 prochaines années, la photographie a commencé à prendre beaucoup plus d'importance dans ma vie et je ne trouvais plus de satisfaction dans l'entreprise que j'avais montée. Donc j'ai laissé l'entreprise de e-commerce, de bijoux, et puis je me suis mis à la photographie comme photographe professionnel. Génial. Parce qu'en prenant les photos du coup de bijoux et tout, tu as réalisé qu'en fait, t'aimais vraiment la photo en fait. Que j'aime petit à petit, c'était tout petit à petit. Ah ouais. Parce qu'au début c'était, ah merde, la photo elle est horrible, elle est pas belle, comment est-ce que je peux la faire mieux? Après c'était aller sur YouTube, voir un tutoriel, de faire machin, comment ça va améliorer, puis de réaliser. Ah, ok. C'est comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Puis après de faire des photos, comme je m'étais acheté un appareil. Ouais. Je faisais des photos de la famille, etc. Mmh. C'est comme ça que ça a commencé à me... Et j'ai commencé à devenir plus ou moins obsédé avec la photo. C'est génial. Bah, c'est ça, je pense qu'il faut avoir... Quand c'est quelque chose nous obsède et on est passionné, c'est là qu'on sait qu'on doit en faire un métier. Ou... Petite pause. So we still have some more questions to ask Antoine, including a bonus tip on how you can take some epic pictures. That's right, he's going to share it with us. But before I do so, please make sure you hit that subscribe button for me. Alors, partage un petit peu, qu'est-ce que tu aimes le plus par rapport à ton métier? Ce que je préfère, c'est les gens. C'est être avec les gens, c'est l'esprit de collaboration que j'ai quand je fais une session de photos. C'est entre l'idée que j'ai dans la tête et les photos qui en sortent, elles sont toujours légèrement différentes de ce que j'avais envisagé. Et pour moi, c'est cet esprit de créativité sur l'instant est très très gratifiant. C'est la même chose pour les mariages, parce que je dois réagir en une milliseconde. Et c'est un esprit de créativité qui est vraiment différent pour moi, parce que je réagis à ce que je vois devant au lieu de créer une vision que j'ai dans la tête quand je fais des photos de portraits, des portraits. Voilà. C'est deux façons de voir très différentes, le même art. Alors du coup, en contraste, qu'est-ce que tu aimes le moins par rapport à ton métier? J'ai réalisé pendant mes débuts de photographie que je déteste les photos, de faire des photos de produits, et que je déteste faire des photos de nature. Je peux pas. Ça. Parce que j'ai trop besoin de l'interaction avec les gens et de ce retour, de cette collaboration, de cet échange entre les personnes qui se passe normalement, quand tu rencontres quelqu'un. Pour moi, c'est excessivement important et c'est ce que je trouve de plus gratifiant quand je fais de la photo. Mais autrement, j'aime tout ce qui est... être dans mon business de photo, j'adore. Même faire les contrats, ça ne me dérange pas. Bah, ça c'est bien. Alors justement, tu es en train de travailler sur un projet qui sera exposé oui. avec une quarantaine de papas et leurs fils. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce projet-là? Bien sûr. Alors c'est un projet que j'ai commencé il y a à peu près un an et demi où j'ai décidé de faire ce projet-là à long terme parce que je voulais me proposer un challenge. Je voulais
je voulais aller essayer de étirer un petit peu ma créativité sur un projet beaucoup plus long terme. Et un projet qui me touche beaucoup personnellement, puisque je suis un papa et je suis un fils. Et pour moi, explorer ce que ma masculinité voulait dire, ce que voulait dire être papa, toutes ces choses-là, comparer mon expérience en tant que fils et avec mon expérience en tant que père, pour moi, tout ça, visuellement, c'était important d'explorer tout ça. Et donc, j'ai photographié pour l'instant, je crois, 37 papas, 37, 38 papas. Et une fois que j'arrive à 40, je vais fermer le projet et là, je vais commencer à l'exposer et je fais un livre aussi. Voilà. Génial. Petite pause encore. OK, we have a bonus tip coming up on how you can take an epic picture, like I was promising. You're also going to want to check out this video that I did with a nez en parfumerie, this woman who's a French perfume designer, also in San Diego. Alors, Antoine, quelle serait peut-être une petite astuce que tu pourrais nous partager pour prendre une bonne photo? Alors, je vais faire quelque chose un petit peu différent. Okay? C'est plus une astuce, puisqu'on est tout le monde est sur Zoom, ces mois-ci, ces mois derniers. Je vais vous donner une petite astuce, comment avoir une bonne lumière en vidéo quand vous êtes sur Zoom. Ou quand vous êtes sur FaceTime ou quelque chose comme ça. Alors vous mettez toujours la lumière devant vous, même si vous avez l'ordinateur là, vous mettez la lumière devant ou derrière l'ordinateur, à 45 degrés vers le haut, pointé vers le bas, et encore mieux, mettez-la un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, pour avoir des ombres un peu plus plaisantes sur le côté, etc. Ça dépend de quel est votre côté préféré. Donc c'est toujours la même chose, c'est devant, 45 degrés en haut, pointé vers le bas, et 45 degrés sur le côté, à droite. C'est très simple, et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle lampe que vous avez chez vous, et vous aurez une lumière beaucoup plus plaisante quand vous êtes sur les téléconférences, etc. Super astuce, merci. Donc ces coordonnées figurent dans la description de la vidéo, site web, son Instagram, comme ça vous pouvez le contacter directement. If you like this video, give it a thumbs up. If you have questions about photography to a French photographer, put them in the comment box below. In French, I'm reading them. And I'll see you guys next time. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.